part de tout et de rien en fait, littéralement. C'est juste un gros amas de conneries, ça part de plein de choses différentes. Ça parle de filles, ça parle de parents, ça parle de musique, de motivation, ça parle de tout et on s'en fout un peu en fait. Tout ce qu'on veut, c'est faire de la musique et si jamais on peut le faire sans se prendre la tête, c'était bon compromis. Voilà de quoi parler là-dedans. Toute la journée, on se tire dessus avec des pistolets, on picole, on joue aussi, ça nous arrive, on écrit, et ça c'est cool. Et du coup, tout tourne autour de cette résidence, c'est incroyable, franchement, c'est cool. Perso, de manière générale, je dirais U2, Why She Sleeps, Hollywood Undead, Gorillaz, et sinon pour le pop punk, Sum 41, Blink, classique. Alors, la dernière fois que nous étions
devant cette même caméra, nous n'avions pas encore de batteur, mais il se trouve que j'avais sous le coude l'un des meilleurs batteurs de la région, qui écoute pas du tout de punk rock, en fait c'est un choreux. c'est faux. Je me suis dit que c'était exactement la personne idéale pour le groupe de punk rock, car on a à peu près les mêmes inspirations, je pense, oui. En gros. On se comprend. Et on se comprend très bien. On se comprend, ouais. Et depuis, c'est une amour, c'est une folle histoire d'amour. C'est exactement ça. Proud, les deux grattes, ça va être marrant. Moi je vais pas trop en chier, c'est lui qui va un peu en chier sur le premier couplet, mais c'est pas très compliqué, il va y arriver vite, c'est pas le plus dur. Qu'on a réenregistré toute la deuxième partie du break parce que la guitare témoin a été enregistrée à 110 bpm sur la deuxième partie alors qu'elle se joue à 95-100, donc on a dû tout refaire, batterie basse, mais ça a pris 15 minutes à tout péter, c'était plié et c'est beaucoup mieux comme ça.
Alex me joue de la musique, s'il vous plaît. Je sais pas si c'est faire ça. C'est pas mal, non. Oh, avec, du avec du volume dans l'ampli. Avec du volume dans l'ampli. Ah, merde. Ça sera plus simple. On va commencer par un petit échauffement corporel avant de faire un petit échauffement, un petit réveil vocal. Canaliser et se concentrer sur l'énergie au niveau des pieds. Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Donc on va imaginer. Ouais, Mathis. Mathis, nous devons savoir sur quel morceau tu veux chanter. Au premier, en premier. Pourquoi est-ce que tu peux continuer le petit tutoriel sur l'ancrage ? Qu'est-ce qu'il fait comme petit tutoriel ? Il disait alors la base pour avoir une bonne voix. Ouais. Ça commence par les pieds. Ouais, c'est vrai. Ça s'appelle l'ancrage. Ça, c'est vrai. Après, moi, je suis pas le chanteur du groupe, mais oui. Non, vrai. Bah, ancre-nous, vas-y. Tu vois, comment on fait pour ancrer ses pieds ? Couper. C'est ah ouais, faut se pencher, c'est ça, comme ça, là. Tu vois, faut se pencher et tout aussi. Pas besoin de crier si fort. Pourquoi tu cries si fort ? Pas de question. On va enregistrer les vocals de Dimwitted. Bonjour. Alors merci de m'avoir invité sur Fun Radio. Je m'appelle Alexis Landau. J'ai grimpé à tout mon Parnasse parce que j'ai voulu montrer au monde que tout était possible et je le fais pour ma famille. Exactement. Vraiment. Pour la dame. Voilà. Bref. Pour la mettre à l'abri. Très content d'être là en présence de si belles personnes. Everything is alright now. You didn't have a clue. I wish I'd been there so far, but still I'm like. She brought me down with all that she said. In the meantime, will she ask? Leave my hometown despite all the rage. Won't hear a sound? What she asked for? Et l'eau froide, c'est pas genre. Très bien, non, tu devrais pas prendre l'eau normale. C'est pas bon par contre. Les choses qui sont bonnes, c'est le thé, le miel, le citron. Pas de citron. Et le vin. Ah bon ? On aurait dû prendre le vin, putain. Putain, c'est une bouteille, mon gars. Va me chercher une bouteille direct là, Dylan. T'as acheté une bouteille d'un litre avant-hier. Tu veux, on va aller courses, mon gars. Ouais, je serais chaud, ouais. Pour un vin très tannique et les tanins, en fait, ça te résoudre tout le. D'accord, ouais, c'était le stimule. T'as acheté la cave, mon gars, tu vois. Après, tu vas me chercher du vin. Merci. Vas-y, je vais avec. Non, mais quand il dit du vin, c'est pas torcher la bouteille, c'est genre un verre. Merde. Change rien. Vraiment, tu gardes ce focus sur la première note. C'est elle qui est tricky dans ce refrain. Et après tout là c'est plus bas donc tu l'as. Il était très bien. Ouais. Mmh. Là, il était bien. Là, il parle loin. Là, là, c'est tout. C'est long, là, il y a le côté qu'on recherche, c'est cool. Best for you. Là, c'est bien. On s'est écouté en entier. Ah ouais, là, le best for you, là, c'est le meilleur. Times World. Sur la bestiole. La bestiole. Don't you dare, it's unfair, baby. Eh bien, les voix sont terminées sur Blackout. On va se mettre à l'instant sur les chœurs. Donc, c'est Alex, le guitariste, qui va... enchaîner toutes ces parties chœur sur toutes les chansons. Ce à quoi on rajoutera les gang vocals avec Dylan et Alex. Donc là, ça se trouve, j'ai cliqué sur un bouton qui signifiait tout supprimer, j'espère pas. Mais non, là, il ne reste plus que les chœurs. Et puis c'est tout. Mais ça y est, et puis après c'est terminé. Et après on commence à faire des concerts.
et faire des concerts. Et se brûler la gueule. Très belle conclusion. Franchement, je suis pas. En vrai, je crois, devant une caméra, je suis pas dégueu. Je me démerde hein, en termes de dialogue caméra. N'est-ce pas? Ça se filme encore, pardon. Je suis en train moi-même de me dire waouh. Je vais tellement pas couper, je vais tout laisser. Alors, il y a une petite anecdote sympa. Mathis, il avait commencé à avoir un peu mal à la voix ce matin et tout, tu vois. Puis le mec qui enregistre, il lui dit ah, Mathis, faut boire du vin parce que le tanin, ça aide à libérer les cordes vocales, tout ça. Du coup, ça torche la bouteille. Voilà. C'est cool ça. Je sais pas parler devant une caméra, moi. Non, mais bon, bah, c'est pas possible, hein. Je peux pas être sérieux, je peux pas rester sérieux 5 minutes. Tu filmes encore? Oh, 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 come on. Because. That's for you! Ultra lourd. C'est lourd, ultra les gars. Ultra lourd. Bravo. Ce mec, c'est plus lourd qu'un... Oh. Lourd. Qu'un camion, qu'un permis. Un énorme mec, quoi. Plus lourd que le studio. C'est fini. On a fini, là. It's the end. C'est pour ça que Mathis pleure. Oh, bad luck! Ouais, I'm starting the day with my lips on your smile. Nothing to say, you know what's on my mind. Despite the milestone that we've reached, you keep going down. Why stay on my own? Leave me now. C'est con ça quand même. C'est sacrément débile. Ok, ça c'est bon. Merci. Merci de m'avoir aidé. Alors là, je crois que dans la ligne, il y avait une surprise aussi. Ah, mets à fond de... mets, oh, mets l'autotune pour voir. Ouais, tiens. Il est pas sur la bonne note, non? On va regarder ça. Ah, si, notre EP s'intitule Such a Story. Pourquoi me diriez-vous? Les galères, hein. Parce que voilà, quelle histoire pour l'organisation. Voilà, ouais. Y a beaucoup de raisons. Le Covid, notre cher ami Dylan a été positif juste avant l'enregistrement, ce qui a beaucoup retardé tout ce qui était répétition. Trouver un nom de EP, retrouver le nom des morceaux, les galères d'organisation. Bref, Such a Story. Beaucoup. Beaucoup de galères. L'idée
Le principal, c'est de jouer, c'est de retourner la scène, c'est de se faire kiffer un max sur scène, parce que c'est bien beau de faire du studio, mais le plus important, c'est le partage avec les autres. Donc le plus important, pour moi en tout cas, c'est de faire des concerts, faire kiffer les autres, c'est pour faire kiffer nous. L'objectif, ce serait aussi bas, pourquoi pas. Et puis surtout de pouvoir voyager en même temps, ouais. De pouvoir aller dans d'autres villes, peut-être même d'autres pays, qui sait. Mais ouais, le but, ce serait... Exact, et le but, ce serait surtout aussi de faire un premier album, ce serait incroyable, c'est l'objectif. Mais ouais, comme l'a dit Dylan aussi, en fait, voyager... De faire l'objectif que tout le monde a envie de réaliser, c'est juste kiffer sa vie, quoi. C'est ça, exactement, clairement. Faire ce qu'on aime, être heureux. Time I think about you.